Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spécifique au château de Gizeux. Alors oui, je suis en tenue parce qu'en fait, je suis en plein tournage Highlandress que vous verrez plus tard. Quand je sais pas, mais plus tard en tout cas, c'est certain. Donc, je me change et on fait le tour du propriétaire parce que ce château, il est très intéressant, sachant que il a une pièce nationale historique, unique en France. Les histoires explosent. Le château de Gizeux se situe à Gizeux, dans l'Indre-et-Loire. Comme beaucoup de châteaux, l'histoire de celui-ci commence au XIe siècle, avec sa mode castrale, et se terminera au XVIIIe, avec ce qui se nomme les Grands Communs, un aménagement entier pour les serviteurs. Comme d'hab, XIe siècle, on a une tour en mode castral, forcément, et son enceinte en bois, qui n'existe plus. Cette enceinte et cette tour étaient derrière moi, en hauteur. Entouré de forêt, le château s'est posé là, pour la chasse principalement. Et ce que vous voyez derrière moi, plus la tour, plus le mur crénelé, c'est ce qui reste, et ça a été construit en 1334, soit 3 ans avant la guerre de 100 ans, le début. Et nous sommes en Anjou historique. L'agrandissement en U est une architecture typique en Val-de-Loire à la Renaissance. C'est le corps de logis où il y a à l'étage des grands salons de réception et au rez-de-chaussée, tout pour le service. Donc là, c'est quand même 3 grandes pièces à la suite, 3 salons. Le principal, le premier, le celui des dames, qui est là. Son nom, c'est le salon des dames. Et ensuite, le dernier, pour les hommes, qui est beaucoup plus grand, puisqu'en fait, messieurs ont une grosse tête. Et pas qu'une grosse tête d'ailleurs. À la fin des repas, les hommes se retiraient dans cette pièce-là, qui se nomme aujourd'hui la salle du maréchal, où les gens, ou plutôt les mecs uniquement, venaient prendre un digestif. Et cette salle est plus petite que pour les femmes, qui s'appelle la salle des dames, tout simplement. Et elles venaient aussi ici pour se divertir après les repas. L'ameublement des 2 salles sont classés monuments historiques et sont du style Louis XIV. Autant dire que ça pète grave. Début 17e et fin 17e, 2 galeries de peinture murale sont construites. La première, la galerie François Ier, qui a été faite sous la commande de la princesse Marie d'Yvetot, qui est juste un petit peu la femme du maître des lieux, Martin du Bellay, et elle a commandé une peinture qui est extrêmement belle. Je vous montre ça. Il y a ici 3 types de décors. Le monogramme de Marie d'Yvetot, M et Y entrelacés, des scènes de la mythologie inspirées des métamorphoses d'Ovid, mises en forme par Antonio Tempesta, il y a quelques dessins au Louvre actuellement, et des bouquets de fleurs. Cette galerie se nomme François Ier, car le roi en personne est venu ici 2 fois, et par conséquent, l'emblème du roi y a sa place au-dessus de la cheminée. Dans la galerie François Ier, à la Révolution, les villageois de Gizeux sont venus ici et avec du torchis, ils ont caché les peintures pour la préservation du patrimoine.
ce qui est extrêmement intéressant à prendre en compte. On est en Anjou, je le rappelle, et en Anjou, dans le Maine plutôt, donc Anjou, Maine, Bretagne et Normandie, il y a ce qu'on appelle la gare des Chouans. Et vraiment, ça prouve clairement que les villageois sont très intéressants, intelligents surtout, et ne sont pas les pantins du Jacobin. Voilà, Jacobin, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu ceux qui sont actuellement au pouvoir en France et qui ont manipulé le peuple à la Révolution. Je fais court, hein, je fais super court, mais en gros c'est ça, quoi. Petit aparté sur la guerre des Chouans, nommée chouannerie, qui est un vaste sujet. Entre 1792 et 1800, la chouannerie est composée de royalistes contre les révolutionnaires, d'origine rurale, commençant en Bretagne en 1791. S'insurgeant contre les mesures politiques et religieuses de la Révolution, elle se situe, comme je l'ai dit, en Bretagne, Maine, Normandie et Anjou. 2 ans plus tard, la chouannerie débouchera sur la guerre de Vendée. Donc ça, c'était la galerie François 1er. Maintenant, on va faire un tour dans la galerie des châteaux du roi, qui est quelque chose d'unique en France. Et je déconne pas, c'est pas moi qui le dis. La galerie des châteaux du roi est une œuvre unique en France, un trésor du patrimoine français, d'après les monuments historiques. Entre 1680 et 1685, les 400 mètres carrés de peinture ont été réalisés par un maître et ses élèves. Plusieurs châteaux sont peints. La restauration a été réalisée entre 2013 et 2019. Franchement, il y a quand même une belle pièce ici pour se promener et visiter le passé. Le petit jardin qui est dedans, donc le petit jardin qui est derrière le côté Renaissance, est un jardin qui est plutôt récent parce qu'il date du 19e siècle. D'accord que la Révolution a fait un petit peu de tort à l'histoire, que ce soit pour les bâtiments, pour les noms de famille aussi, pour plein de choses, pour la généalogie, enfin pour plein de trucs. Les documents ont été cramés. C'est le cas aussi du château de Gizeux, où les documents ont été cramés, ce qui fait qu'en fait, on ne sait pas réellement quand a été construite la chapelle. Pour sûr, sa structure rappelle la fin 16e, début 17e siècle. Et elle est encore aujourd'hui un petit peu utilisé pour des cérémonies très 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 occasionnelles. Ça, c'est une lumière naturelle du château, enfin plutôt du soleil. Elle passe par là, elle se répercute ici, et elle illumine la pièce, au moins celle-là. Je trouve ça vraiment intelligent. Pendant très longtemps, le château a fait son propre vin. Malheureusement, début 20e siècle, le phylloxéra s'est installé, a mis la merde partout et forcément le château ne fait plus son vin depuis.
Comme je l'ai dit, le château est entouré de forêts, par conséquent, ça facilite la chasse. Nous sommes donc dans la salle de la chasse, qui sert encore aujourd'hui après des petites chasses à court. Alors, je ne vais pas épiloguer sur le sujet, c'est pas le but de la vidéo, d'accord ? La cuisine utilisée jusqu'en 1973. Les écuries construites en 1743 et utilisées jusqu'en 2012. Le château faisait son propre pain, il y avait aussi une buanderie pour les lingères, un forgeron et un pressoir. Les artisans vivaient ici toute l'année ou occasionnellement. La vidéo maintenant terminée, si ça vous a plu, c'est cool, ça fait une petite visite du château. Je remercie monsieur et madame Delafont pour m'avoir accordé un château complet, quasiment, pour le tournage de Iron Dress, que vous verrez plus tard, après forcément cette vidéo-là. On va faire ça pour avril, donc normalement mai ou juin, peut-être juillet, je ne sais pas encore. Donc merci à eux, donc merci à vous pour m'avoir permis de faire ce tournage et cette vidéo aussi. On se voit pour une prochaine vidéo. Maintenant, je vais rentrer me coucher. Allez, salut, abonnez-vous et...